نازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات بونجور قسماً بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات البنود اللامعات الخافقات جبال الشامخات الشاهقات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 Bonjour. La râle, ça fout la chair de poule. Sbah al-khair alaykoum. Nharkoum mabrouk. Je suis désolée, la râle. On attend Issam. Tahia al-Jazair, oui, bravo, bien sûr. Toujours dans le cœur. Tahia al-Jazair. Ça va? Vous allez bien? On va bouger, hein? Mais non, c'est quand même une journée assez spéciale. Ça peut pas ne pas nous toucher. Bon, les Algériens, les vrais. Il faut ce que c'est Tawra, Qima Tawra, tout ce qu'ils ont fait. Shuhada Tana. Donc, on ne peut pas résister. Quoi dire, dakhlat fil hadra. Allez, sabah el nour, sabah el foul, inchallah narkoum mabrouk. On attend juste Issam pardon, et on va faire une bonne séance inchallah, on va bouger ensemble, on va bien travailler inchallah. La yarham shuhada, amin amin inchallah. Fashhadu ya. C'est dur, hein? Vive l'Algérie. Tahia al-Jazair. Hurra, démocratia. Sah, sah, sah. Min ajlika achna ya watani. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver. Il ne se passe rien. Rien pas que Qassaman Hadamaken pour cette journée, le 1er novembre. À la belle comme ce que c'est. Hadamaken. Tonal comme Khalaya Sbahlila. Maken Walou. Sabrina, bonjour Hanouna. Ça va? Ouais, vive l'Algérie et les Algériens. Ou la réchauffe, que ce soit machi, spécialement parce qu'on est loin. À chaque fois, je reviens parce que, surtout les personnes qui ont fait le combat, qui ont fait le combat, qui ont fait le combat, tout ça, on revit toujours à des moments qui te connaissent une occasion pareille. Donc, que ce soit ici, même le camp que tu disais, j'aurais réagi pareil. Sauf que tu disais, c'est plus la fête, donc on sort et tout ça.
les feux d'artifice ou Denia. Mais voilà, c'est comme ça. Alhamdoulilah, ala kulli hal. الشهداء مساكن داروا واش داروا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يهدينا حنايا pour donner un coup de pouce à notre pays. كل واحد بواش يقدر. عصام s'il te plaît envoie l'invitation. C'est ça, Sabrina. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Eh bien, joyeux anniversaire à ta fille. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Aïssam. Alors. J'attends que Aïssam se connecte. Aïssam se connecte. Je l'appelle Aïssam à chaque fois, alors que c'est Issam. Issam. Où est-ce qu'il est? Appelle-moi, s'il te plaît, Issam. S'il te plaît. Ah, il ne veut même pas appeler à deux téléphones. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez Issam ici ou pas? Non, 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 non. Abdel Khnain, il sait l'eau. Subhanallah. Ah, voilà, il est là. Ok. Tu m'envoies... Non, si, il m'a envoyé l'invitation. J'arrive pas à l'accepter. C'est pas possible. Ok, je vais le chercher. C'est mhouliya, parce que des fois, il bug le téléphone. Surtout un 1er novembre. Me fait mouallo, wa chawsari, sbah lillah, sbah man ghanou, qasyaman. Attends, dès que je retrouve Issam... Voilà. Voilà. J'espère que la connexion ne fait pas des tours. Coucou Mariam. Sabah Nour. Bonjour. Ça va? La base? Ça bien? Va. Prêt? Ça va, super. Outaya. Ça va. Alhamdoulilah. Désolé, il y a un petit problème pour la connexion. Je pense ouais. Qu'elle est un tout petit peu lourde à l'Yuma. Ah ouais? Ouais. Ça va l'équipe? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Ah, j'ai mis mon petit pins, hein. Adzair. Vive l'Algérie. Vive notre pays. Il va super bien. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'on a de la beau match, Anouyak? Ça va sinon? Ton équipe, la base. Tout le monde va bien. Bonjour, Soso. Bonjour, l'équipe. Bonjour, Rahmo Alfouk, déjà. C'est pas la première fois. Donc, l'équipe Alfouk, c'est très bien. J'ai mis les écouteurs pour bien t'entendre et d'accord, pas, même quand je m'éloigne du téléphone, Malish. Oui. Donc, qui va chez Lioma? Alors, leg day. What? It's leg day. Yes, yes. On va travailler. On finit comme d'habitude avec les renforcements abdos, dos. Hein? Voilà, voilà. Parfait, génial. Parfait. Ça va, Anifat, je suis Anishbab. Allez, parfait. Fais un petit peu et après on commence. Tu veux que je commence un échauffement et après je te laisse? Ouais, d'accord. Inch'Allah, la connexion Bac ne va pas jouer de tour. Ouais. Vous allez entendre un peu le son à l'hélicoptère parce qu'il dort. Ah oui. Ouais. Ok. Allez, le 1er novembre, il y a le vote aujourd'hui. Il y a le vote? Ah oui, le vote, c'est vrai. Dostor El Jadid. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Super. On a la pêche. On se réveille l'équipe. Ouais. Accrochez un sourire à votre visage et yallah. Vamos. Allez, on y va. Normalement, il me voit, Ayak. Déplacement. Toujours au touch. Ouais. Allez. On respire. Ouais. Voilà. Et je monte le bras. Droit, bras gauche. Zéro. Cinq. Six. Sept. Huit. Devant le bras. Un.
J'adore le son. Mode oriental. Yes. Allez, on y va. Bonjour. Il fait beau. Il fait bon. Devant. 3, 4, 5, 6. Yes. Et 8 côtés. Et 1. On allonge le bras le plus loin possible. Oui, je pousse bien le bras. 7. Allez, on twist. On reprend. Je monte, je monte, je monte. Okay. 3, 4. C'est super. Un étirement et en même temps un réveil. Très bien. Yes. 3, 4, côté, 1. Allez. Monte par 2. 2. Devant, 2 fois. 3. Allez, on s'amuse. 3. Yes. 3. Soufflez, 2 fois. On respire. Côté. Yes. Je monte par deux maintenant. Une fois en haut, ensuite devant. On a côté. Allez, je reprends. En haut. Devant. Et... Yes. On allonge. Go. Go. Très bien. Ah. Middle. Côté. Middle. Side to side. Vamos, Meriem. Go. Côté. On lâche. On récupère. Les deux bras. Allez, je monte. Allez, on balance. Go. Flexibilité de la colonne vertébrale. Très bien. Yes. Très bien. Et ouverture de la hanche. On pousse. Go. Dernier. On relâche. Et là, on descend. On descend. On descend sur le genou. Très bien, très bien. Voilà, je pousse les fesses en arrière. Les bras. Ah. Très bien. Yes. Je voilà, super. On bascule tout le poids du corps sur une jambe, ensuite sur l'autre. Là, voilà. Et on pousse avec les talons. Un bras devant, un bras derrière. Là, je pousse. Loin devant et loin derrière le bras. Voilà. Très bien, très bien. Soufflez. Ah ben, je le fais bien, coach. Très bien. Très bien. La température commence à augmenter, hein. Encore une fois, oui, 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 oui. Et les muscles commencent à se contracter. On récupère. Continue encore. On continue à bouger, on marche sur place. On ne s'arrête pas, ok? Alors maintenant... Maintenant, c'est un peu plus dur. Mais les filles, si on n'arrive pas à sauter, alors on va faire ça, regarde. Bon, là, le squat avec le saut. Si on n'arrive pas à sauter, ben, vous faites que le squat sur place, d'accord? D'accord. Alors, une fois devant. Pardon. Ensuite, côté, je reviens devant. Et ensuite, l'autre côté, et je reviens devant. Et je cours. Un squat jump multidirectionnel. Yes. Let's go. Donc, voilà, on revient au milieu, hop, et on est sur le côté. Voilà, super. Et on sinon, on enlève les impacts et on fait des pas, juste des pas. Donc, un squat, voilà. Un petit pas, un squat, un petit pas, voilà. Et on enlève les sauts. Yeah. Ok, coach, vamos. Super. Allez, on respire, on reste correct, l'équipe. Hein. Gardez les talons bien collés au sol. On marche, on marche. Yes. Yeah. Everybody jump now. Côté, milieu, côté, milieu, et je cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Vamos. Devant, côté, devant, et je cours. 1, 2, 3, 4. Bravo. J'aime bien la con.
combinaison. Allez, on y va. Dance everybody, make it hot. Make it burn on your legs. Don't stop. C'est bien, Olivier. Allez, on y va. Yes. Jump. High as you can. Le plus haut possible si vous pouvez. Levez les genoux si vous voulez un peu plus d'intensité dans votre travail. Sautez plus haut. Poussez avec votre demi-pointe. Yes. On récupère, on récupère, on récupère. Ouh. Récupérer. Ok. Ouh, ça va? Super, ça va super bien. J'ai senti la température augmenter, je pense que les autres aussi, le groupe aussi. J'ai senti que les muscles s'engagent. Donc, je pense que les jambes sont prêtes, le cœur est prêt. Les autres muscles, on va les laisser pour tout à l'heure. Voilà, super. Ok. Super, si tu veux. Après, moi, je reprends. D'accord. Très bien. On y va sur un petit tabata, d'accord? Un petit tabata où on va travailler un tout petit peu l'agilité de nos jambes. Ok. D'accord, puis on va faire un renforcement avec des fentes, les out-in. Vous connaissez les out and in sur une échelle. Donc, si vous avez du carrelage à la maison, vous pouvez rentrer dans votre carreau, faire deux pas, sortir de votre carreau et rentrer. Donc, vous allez faire 1, 2 à l'extérieur, 3, 4 à l'intérieur. 1, 2, on écarte, 3, 4, on ferme. Chacun son rythme, chacun sa vitesse. Essayez d'aller le plus vite possible parce que ça parle d'agilité. Vous allez engager vos mollets. Puis le deuxième mouvement, c'est simple, vous allez faire des fentes arrière, reverse lunge. De simples fentes arrière, chacun son amplitude. Une bonne fente, c'est quand on lance bien la jambe en arrière, d'accord? Vous faites votre fente, vous relevez, vous resserrez vos jambes, vous refaites encore une fois une fente avec l'autre jambe. Et à chaque fois, vous alternez. Droite et gauche, vous rajoutez un petit twist avec votre corps, avec le haut de votre corps, pour engager plus vos fessiers. Ok. On y va? Super. Espera un momento. Je lance la musique parce que fait le chrono Tabata. Et on y va. Hop, 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 hop. Continuez à bouger sur place. Gardez votre rythme et gardez l'intensité de votre entraînement. Très bien, respire et on marche sur place. Marchez sur place, ramenez les genoux directement devant, serrez légèrement vos abdos. Les abdos restent contractés tout au long de votre mouvement, d'accord? Vous allez faire des out-in. Dans 3, 2, out-and-in, out-and-in. Vous pouvez compter si vous voulez, 1, 2 à l'extérieur, 3, 4 à l'intérieur. Ça demande un peu de coordination et de l'agilité. Gardez vos épaules légèrement vers l'avant pour garder vos abdos contractés et maîtriser encore un peu plus vos jambes. Allez, plus vite si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez rester sur une option plus facile, enlever les impacts et faire juste des out-in sans sauter, d'accord? Mais moi et Myriam, on est déchaînés. Plus vite, Myriam. Allez, on y va, on ne lâche pas. Respirez. Gardez un bon rythme de respiration et une vitesse au niveau de vos jambes. La vitesse d'exécution doit être rapide et stop. Bravo. C'était notre premier round. Deuxième round, on fait quoi? Les fentes en arrière, d'accord? Allez, on respire, on reprend notre souffle. On a juste 10 secondes de récupération et c'est fini, d'accord? Dans 5, 4. Allez, on y va, fente. Et un petit twist. Très bien. La rotation du corps se fait dans le même sens que la jambe, d'accord? On se retourne et on regarde légèrement sur le côté, d'accord? Pour assurer notre twist. Regardez side to side, de droite puis vers la gauche. Cherchez à toucher le sol avec vos genoux et gardez un dos bien droit. Essayez de lancer vos épaules aussi vers l'arrière. Et on twist. Quelques reps encore. Vous avez 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Pour ceux qui ne veulent pas récupérer, continuez à bouger sur place, d'accord? 10 secondes de récup, ma belle. On respire, on marche ou on fait rien si vous voulez, d'accord? On va revenir aux fentes. Oh, out in, out in. Ouais. L'agilité. In and out. Let's go, go.
Bougez, soyez agile. Yes, 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 yes. On respire. On serre nos abdos. On garde les coudes à 90 degrés. Comme ça, on ne s'occupe pas de nos bras. On s'occupe que de la vitesse de nos jambes. On respire et on va plus vite. On retrouve beaucoup ces mouvements dans les sports de collectif comme le football. Là où on cherche beaucoup d'agilité pour bien dribbler, d'accord? Allez, on bouge, on bouge. Vous pouvez réduire votre vitesse, d'accord? C'est seulement 20 secondes, ça paraît lent. Gardez vos talons décollés du sol et stop. Good job. Parfait l'équipe, parfait. On revient aux fentes. Fente et twist. Go, Miriam. Don't stop. Let's go. On twist et on garde le talon bien collé au sol. Si vous voulez décoller légèrement vos orteils, comme ça, vous assurez l'appui sur vos talons, d'accord? Et votre chaîne postérieure s'engage un peu plus. Let's go, go. Inspirez en bas, expirez en haut. C'est votre rythme de respiration. On inspire et on expire. Twistez, engagez vos obliques. Un peu plus de twist si vous voulez. Un peu plus de contrôle. Et levez vos orteils comme je vous ai dit pour garder l'appui sur vos talons. Et yes. Très bien. On a fait deux rondes de out-in. D'accord? Deux rondes. Respirez. Maintenant, on va faire encore de l'agilité et rester sur un peu de cardio. Donc, on va faire des déplacements. Assurez-vous d'avoir à peu près 2 mètres de distance pour faire des shuffles. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 1, 2, 3. Quand vous vous déplacez à gauche, vous allez toucher le sol avec votre bras droit. OK. Quand on se déplace à droite, on va toucher le sol avec notre bras gauche, ce qui va permettre de faire un petit twist avec le corps et engager un peu plus les fessiers. Donc, vous poussez les hanches directement vers l'arrière et vous gardez un dos bien droit et neutre. Pas okay. de dos rond. Et essayez de faire un dos très, très plat ou bien cambré, ça va compenser. Quand on fait cambré, quand on penche cambré, le dos va se mettre automatiquement une fois fatigué droit. D'accord? Ça, c'est pour le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est simple. Vous allez faire des squats, mais je vais small squat. Vous allez coller vos orteils et vos talons. D'accord? Et faire des squats normales. Vous tenez votre équilibre avec les bras. Donc de là, vous poussez les hanches vers l'arrière et vous relevez. Okay. Simple okay. squat. Vous essayez de serrer vos genoux pour intégrer le travail des cuisses qui va laisser les genoux bien serrés et les fessiers et les quadriceps vont s'engager automatiquement sur le squat. Ok. D'accord? Génial. Alors, les filles, faites à votre rythme, d'accord? Si vous trouvez que c'est un peu rapide, c'est vrai que c'est un petit peu dur comme entraînement, mais ça travaille très, très bien. Essayez de vous accrocher. Ou Lidja Hawar, les machines Walfa, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent depuis des mois, donc ça, c'est très bien pour eux. Ou Lidja Home, un peu difficile, faites à votre rythme. C'est-à-dire, non, si je suis allée serrée ou là où il faut courir très rapide, tu ne cours pas très rapide. Tu exact. Vois, tu attends au rythme. Voilà. Voilà. Oui, coach. Exactly, coach. Tabata, tabata. Toujours sur un rythme, sur un chrono tabata, d'accord? J'adore ce chrono, c'est ce qui me motive parfois quand même je suis seul. Le chrono tabata me motive parce qu'il y a les 20 secondes où je dois faire mon effort, il y a les 10 secondes, c'est bien déterminé. Donc, même si vous êtes seul, un chrono tabata est très très efficace pour vous automotiver, d'accord? Dans... Et allez, on bouge sur place. Attendez, encore? Au lieu de vous déplacer avec des sauts, vous allez juste faire des pas, d'accord? Et toucher. On y va. Go, Miriam. Déplace-toi. Hop. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Attends, j'attends comme ça, on est ensemble. Vamos. Et bras gauche. On se déplace à gauche et on pose notre bras droit. On se déplace à droite et on pose notre bras gauche. Et la main va automatiquement derrière, d'accord? Passez la main derrière. Stop. Très bien. On respire. Small squat. Yeah? Very small squat. Serrez vos jambes, je me mets de profil et je pousse mes hanches derrière. Essayez de lever les bras aussi, comme pour le yoga, la même chose que la chaise, d'accord? Donc, essayez de garder un dos droit, la tête bien neutre, regardez vers l'avant et levez vos épaules aussi. Ouvrez l'angle de vos épaules et poussez les hanches derrière. And stop. Très bien. On reprend le pas d'agilité. Donc, soit vous faites 2 pas. D'accord, pour enlever les impacts et vous toucher. Donc, 1 et 2. Soit vous sautez, d'accord? Shuffle, go, Miriam. Et on touche. 1, 2, 3. Vous pouvez toujours rester sur place.
Vous faites trois sauts et vous touchez le sol. Un, deux, trois. Comme ça, on sort pas du cadre et vous pouvez nous suivre. On respire et on touche le sol avec, on alterne à chaque fois avec un bras. Un dernier. Stop, c'est bien. Respirez. Ouvrez grand la bouche et inspirez le maximum d'oxygène, d'accord? On reprend nos squats, Myriam? Vamos, coach, vamos. Et on y va. Gardez l'effort sur les talons, d'accord? Optimisez plus l'appui sur vos talons. Sentez le léger déséquilibre en poussant les hanches vers l'arrière et vers le bas. Si vous sentez que vos pieds, vos orteils se décollent, ça veut dire que vous êtes super correct. C'est bien, on respire. Secouez vos jambes. Shake, shake your legs. Shake your arms. Take a big breath and come back to your move. Un, deux, trois. Vous pouvez rester sur place ou vous vous déplacez, d'accord? Chacun son rythme. Vous pouvez seulement temporiser. Et quand vous voyez Myriam ou moi descendre, on descend, d'accord? Allez, on y va. Ceux qui veulent enlever les impacts ou ont un problème au niveau de leur articulation. Et good. Super, on revient au small. Ouais. La chaise. Allez, prenez votre chaise virtuelle. Let's go. Très bien, j'aimerais bien que vous faites exactement comme fait Myriam. Elle ouvre l'angle de ses épaules. Vous allez engager encore un peu plus de muscles de posture, d'accord? C'est parfait, Myriam. Bravo. Bonne mobilité. Il faut avoir une bonne mobilité. Ouvrez et regardez droit vers le sol pour ne pas tirer sur votre cervicale. Yes, we stop. We take a breath and we come back to the first move. On revient au premier mouvement, d'accord? Ok. Allez, moi, je fais toutes les options maintenant. Je vais essayer de faire toutes les options. Je me déplace. Sinon, vous pouvez rester avec Myriam sur place ou sinon, vous enlevez totalement vos impacts. Et quand vous voyez Myriam ou moi se baisser, vous vous baissez avec les hanches vers l'arrière et les talons collés au sol et les pointes orientées à l'extérieur. Très bien. Par rapport au premier morceau, les 20 secondes à Dubano, les sap. Mais bon, on revient à la chaise. Let's go. On y va. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Une dernière. Essayez de coller vos genoux. Hein. Ne laissez pas vos genoux se séparer. Gardez vos adducteurs engagés. Yes. Regardez droit vers le sol pour garder la tête bien droite avec votre colonne vertébrale. Et une dernière. Et on respire. Oh. Parfait. Génial. C'est super. Parfait, l'équipe. On a fait 4 rondes de chaque mouvement. C'est parmi on les... On se calme un peu. C'est avec toi. C'est génial. Parfait. Voilà. Parfait, Myriam. Texaha. Et en plus, c'est bien qu'on puisse... Quand on collabore ensemble et quand le courant passe bien, donc on peut montrer une option et directement sauter à une option avec toi, une option avec moi. Et c'est comme ça que ça... Oui, en plus, on a le même travail un peu. Donc, c'est pour ça que ça passe très bien. Très bien. Voilà, super. Galek, top, top, top. Yartikoum saha, yartikoum saha, ntouma. C'est très, très bien. Faites à votre rythme. On va des cœurs à mon tour. Faites toute la séance, s'il vous plaît. T'as raté le début, c'est pas grave, c'est pas grave, tu peux t'accrocher ou sinon tu fais le live après puisqu'on va l'enregistrer. C'est génial, très bien. On continue. Bien, Myriam. Prendre le relais, tu penses? Vas-y après, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. On fait ensemble les abdos. Hein. Allez, je te suis. Je prends ma serviette alors. Oula, c'est bon, il y a Zarbiya déjà. Non, non, j'allais faire un autre exercice. Ah, ok. J'allais faire un autre exercice. Très bien, je te suis. En deux ou trois rounds, peut-être, comme tu as fait pour le Tabata. Parfait. Donc, c'est squat. J'allonge la jambe. Je reviens squat. Ensuite, la jambe, elle va derrière. Et d'accord. Je reviens. La même chose. Jambe droite, squat. Et ensuite, la jambe, elle va derrière. Donc, fente, arrière. Je reviens. Donc, on en fait. Battement, fente. Voilà, c'est ça. Squat, battement latéral. On pose la jambe et on lance la jambe derrière pour la fente. Parfait. Je reviens en squat. Hein. Squat. Ah, on revient en squat. D'accord. En arrière, ok. Super. On fait ça plusieurs fois et après, ça va être ça, ok. Les ciseaux. Ça te dit que je lance un Tabata, hein? Vas-y, vas-y. Et on travaille sur tes mouvements. Vas-y. Ça sera parfait. Okay.
moi et puisque tu as le rythme toi, ensuite en rythme et voilà. Ok? Allez, parfait, parfait. Allez, super. Train. Welcome to Tabata. Are you ready? Yes. Three, two, one, go, Mariam. Et squat. Et fente. Et squat. Et battement. Squat. Yes. Je suis avec toi. Hein? Ok, vas-y. Squat. Fente. Arrière. Je reviens. Très bien. Et on respire. On change de mouvement. Hein? Je reviens au squat. Ok. Okay. Donc, je... squat. Lunge. Arrière. Fente. Squat. Et l'autre. Battement. Yes. Voilà. Squat. Arrière. Squat. Et la même chose. Battement. Squat. Squat. Fente. Squat. Battement. Squat. Fente. Très bien. On respire, on change de mouvement, on revient à tes ciseaux. Ciseaux. Vamos. Ciseaux. Et go. Alors, c'est soit des ciseaux rapides, soit des fentes rapides. Chacun son rythme, chacun son niveau. Soit des ciseaux rapides. Voilà. Pour travailler votre endurance cardiovasculaire avec Mariam, soit des fentes pour travailler votre force et votre explosivité. D'accord? Et stop, Mariam. 20 secondes sans passer. On revient à ton premier mouvement. Allez, vous avez 5 secondes pour revenir au premier mouvement de Mariam. Battement et fente arrière. Et à chaque fois, on passe par un squat. Let's go. Respirez, soufflez. Arrière. Squat. Squat. Il est super le mouvement. Oh. Oh. Allez, courage, courage. Mais Yuma, on revient au ciseau. Ciseau. Allez, on y va. Let's go. Dans 3, 2, yes. Fais défendre. Je respire. Je tweet si je veux. On respire. Allez, Mariam. Yes. And stop. Take a break. Yes, yes, yes. We come back to your first move. Yes. Allez, on y va. Battement non-stop, l'équipe. Allez, c'est ça un travail. Pour Let's go. Les personnes qui ont des problèmes de genoux qui ont très mal, vous pouvez faire juste comme ça, ok? Juste comme ça. Juste comme ça. Ok. Arrière. Concentrez-vous sur votre respiration aussi. Okay. Yes. Arrière. Wow. Arrière. Coach, on y va. Shuffle, ciseaux, mekas. Aïe, darbal mekasia. Let's go. Adel, Captain, où est-ce que tu Captain Majid. Captain Majid. You marrer where you said did. Et la balle est restée pendant une semaine en l'air. Tu fais d'un épisode à un autre. C'est bon. Le ballon est où, je retiens le rugby. Last one, c'est la dernière. Battement et fente arrière. On est OK? Let's go. Battement et fente arrière, dernier round. Et là, on s'accroche. À chaque fois, un squat. Hein? Ne trichez pas. Ouais. On veut que vous sentez le même travail qu'on sent, nous aussi. Ouais. Yes. Arrière. C'est bon? Parfait. Mariuma, 4 minutes et 10 secondes sans passer. Ok. Parfait. Allez, on récupère. Oh, je vais prendre un peu d'eau. Je reviens, je vais prendre une petite bouteille d'eau. J'arrive. Ok? Oh, ça transpire. Hein? Et alors, c'est super. C'est une très bonne séance. Cardio assez intense. En plus, renforcement musculaire, tu as le bas du corps. Vous ne pouvez pas trouver mieux. C'est une séance qu'on peut répéter, tu vois. On peut la faire au moins une fois par semaine, par exemple. Et une fois que vous maîtrisez très, très bien les mouvements, vous allez voir comment vous sentir. Tu as beau tir ou après. Que du plaisir. Allez-y doucement.
on cherche à bien maîtriser les mouvements doucement. Vous sentez que vous êtes capable d'accélérer. On bada, yalla. Je veux dire, comme. Exactement. Super. On récupère. Il va doucement, va sûrement. C'est ça. C'est et dites-vous ça. Que si vous ne récupérez pas, vous vous blessez, vous restez 3 mois en convalescence. Eh oui. Et vous ratez tous les entraînements. Donc, vous allez doucement pour ne pas vous blesser. C'est ce que je dis à mon équipe aussi parce que je vois qu'ils font beaucoup d'entraînements et tellement ils sont emportés par la motivation de tous les jours, entraînement tous les jours. Donc, ils s'entraînent tous les jours. Ils ont des courbatures. Ils sont déjà fatigués au niveau musculaire. Ils ont des courbatures. Ils viennent quand même pour un deuxième entraînement. Et c'est souvent ceux qui viennent tous les jours qui me disent « Voilà, j'ai une petite élongation, j'ai une petite douleur ici. » Donc, respectez le temps de récupération. C'est très important. C'est vrai que c'est bien de s'entraîner tous les jours, mais il faut rester à l'écoute de son corps. Mais voilà, j'espère qu'on est d'accord sur ça. Faire bien plutôt que d'en faire plusieurs et tu ne les fais pas bien. Je réponds juste, Wahda, qu'elle n'arrive pas à maîtriser les fentes. Les fentes chauffées. Puis on va le plus important pour les fentes chauffées, tu as ta jambe en arrière. Le plus important, c'est que le genou il part sur le talon. Il ne faut pas aller trop en avant comme ça. Ça, ce n'est pas bon pour le genou, d'accord? Exactement. Donc, tout le reste du corps, tu le pousses en arrière, tu redresses ton dos, tu le fais attendre. Et là, c'est tes muscles qui protègent les articulations. Là, c'est tes muscles qui s'engagent. Et à chaque fois, le poids du corps taille en arrière. Ouais. Pour ne pas trop... Forcer sur les tendons. Voilà, les articulations. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais tu vois, Top. Non, aussi, je délaisse. C'est pour ça que je vous dis, parce que je sais très bien comment vous êtes en train de travailler. Donc, tu sais, j'arrive à imaginer les personnes derrière l'écran, comment elles sont en train de faire les exercices. Je sais que les fentes, c'est un peu difficile. Il y en a beaucoup qui ne les maîtrisent pas. C'est pour ça que je vous dis, faites-les doucement. Tu les maîtrises aussi, à la vitesse et le cardio. Essaie de faire tes exercices correctement d'abord. Voilà. On forme une belle équipe, Galek. Eh bien oui, moi, je l'ai senti. Oui. Premier jour. Et bien sûr, on est du même pays. Algerian people, you know. Oui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est la méthode de travail, les exercices. Le feeling. La méthodologie. C'est super. Eh bien, il est quel chat Alors, on va sauter un peu le travail du centre du corps. On va travailler un peu nos abdos et nos obliques. D'accord. On va faire de simples mouvements. Oui. Et de très simples mouvements. Donc, je vais juste donner une petite correction qu'on a l'habitude de donner de toute façon par rapport à l'exécution des crunchs. Ouais, d'accord. Donc, écoutez d'abord, avant que je m'allonge au sol. Donc, on sait bien que l'extension de notre dos, de notre colonne vertébrale, engage nos lombaires, nos rhomboïdes et nos cervicales. Ouais. Donc, pour faire la contraction de nos abdos, il faut faire la flexion de notre colonne vertébrale. On est d'accord. Voilà. Donc, au lieu de rester cambré, on a tendance à voir beaucoup le creux se faire au niveau des lombaires. D'accord ? Donc, assurez-vous de décoller d'abord vos omoplates et soutenez votre tête avec vos bras. Et essayez vraiment de faire la flexion de votre colonne vertébrale en gardant les lombaires et le coccyx collés bien au sol. Exact. Yes. Entre le ventre. Même le mouvement qu'elle a fait, Mariam Doka, c'est un mouvement qui fait travailler nos abdos si on contracte, d'accord, même en étant sur nos genoux, sans rajouter du poids, parce que si on se met sur le dos, c'est pour rajouter un peu de gravité, exactement. Voilà. Et rajouter un peu plus de tension sur nos abdos. Voilà, je rajoute un petit truc. Oui. Pour... oui, coach. On commence à faire les abdos. Donc, les crunches, elles ont mal à la nuque. Parce que justement, aussi, le bras, tu vois, elle bouge la tête. Et après, on finit par avoir mal à la nuque. Oui. Là, on vous dit, voilà, comme il vient d'expliquer, c'est le dos. Regardez, le mouvement se passe au niveau du ventre. Ouais. Le ventre, le nombril. Comme au yoga, le nombril va chercher la colonne vertébrale. Voilà, on arrondit le dos et on relâche. Là, on arrondit, on relâche. Ouais. Donc, la tête, elle ne bouge pas du tout. Si vous la bougez, vous allez avoir mal à la nuque. Hadamaken. Ouais. Ok, super, let's go. Donc, on va faire des petits crunchs et des leg raises, d'accord? Élever les jambes. Donc, crunch, simple crunch. Au sol, les mains derrière la tête pour soutenir la tête. On regarde face vers le plafond et on va seulement chercher une contraction avec une expiration, d'accord? Vous inspirez en bas et vous expirez quand vous levez vos omoplates. Inspire, expire et pousse vers le haut. Le deuxième mouvement que je vais lancer, ça sera poser les mains en forme de A, d'accord? Vous allez faire un appui au niveau de vos,
du sol. Vous allez poser vos talons, d'accord? Ramenez les jambes et levez votre coccyx. Comme elle a fait, rétroversez votre hanche. Quand vous levez vos jambes, vous décollez légèrement votre coccyx. Donc, on va juste balancer. On garde les genoux à 90 degrés. On pose les pieds en flex. On pose les talons. Hop, on décolle et on revient. Avec contrôle, on inspire en bas et on expire quand on lève les jambes. On est d'accord, l'équipe? Excellent. Voilà. C'est ça, Maléoma. Donc, on y va. On se met en position. Je lance un petit morceau. Quel morceau? Allez, Pirates des Caraïbes. On y va? Oui, let's go. 20 reps, 20 crunch. 20. OK. 19. C'est votre rythme d'exécution. 18. 17. Et marquez un temps d'arrêt en haut pour marquer votre contraction. Plus que 14. 13. Up, down. Up, down. Contracte et décontracte. Flexion, extension de la colonne. Flexion et extension. Plus que 8. 7. 6. Plus haut. 5. Vers le haut. 4. 3. 2. On passe aux jambes. On pose nos mains et on fait 20. Élévation des jambes. 20. 19. Et chacun sa vitesse, d'accord? Vous devez faire 20 répétitions. Laissez les jambes et les talons toucher le sol et on se relève. Ou sinon, vous restez sur une option avec Mariam de 90 et vous levez directement votre coccyx. C'est très bien. 10 encore. 9 pour moi. Et on respire et on se concentre sur nos abdos, d'accord? Déjà de se concentrer, appelle à contracter plus nos abdos. 3, 2, 1, stop. On respire, on refasse les mains derrière la tête et on reprend nos petits crunch. Crunch. Up and down. Expire et inspire. Un petit temps d'arrêt. Gardez vos talons bien collés au sol et vos lombaires aussi. Up and down. Ça commence déjà à se contracter. On a pré-fatigué nos muscles sur le premier round. Là, on engage un peu plus nos muscles. Au troisième round, ça sera vraiment la contraction qu'on cherche. Rajoutez 3 si vous voulez. 2, le plus haut possible. 1, on passe aux jambes, Mariam. On pose notre tête, posez le haut de votre crâne et laissez juste la flexion et l'extension de votre hanche se faire. C'est ce qui engage votre psoas et plus vos abdos. Let's go. Inspire, expire, inspire, expire. Yeah. Mais ça marche, c'est le film, hein? 15. Hey. 16. 17. 18. 19. Et 20. L'équipe, on reprend nos petits crunchs. Là, on fatigue nos abdos. Levez vos omoplates. Hein. Donnez le même effort que vous avez donné au début de la série. On inspire et on expire le maximum possible. C'est ce qui va faire creuser un tout petit peu plus. Plus que 9 pour moi. 8 reps. Yes. Against my lips. Et 5. On passe aux jambes, Mariam? Oui. Et on y va. 20 reps. Vamos. 20. I love you. I hate that. I love you. So confused. Ceux qui peuvent aller plus vite, aller plus vite pour engager un peu plus de fibres rapides. Travaillez un peu plus explosivement vos abdos que la flexion et l'extension des hanches. Les genoux ne bougent pas, ils sont verrouillés. Les genoux passent au niveau des hanches et les dépassent et viennent vers le niveau des épaules, d'accord? Décollez comme pour une roulade arrière en gymnastique. Ramenez vos genoux explosivement vers l'arrière. Encore 3 pour moi, plus que 2 et 1. Très bien, l'équipe, on reste sur nos abdos, on retourne sur les coudes et on pose seulement nos genoux.
Ah, ok. Planche sur les coudes. Ramenez les coudes sous vos épaules. Gardez les épaules et les hanches et les genoux sur la même ligne. Baissez un tout petit peu vers le bas. Donc, ce que vous allez faire, vous allez poser le ventre. Et ensuite, on fait 4 secondes en haut. Stop, 4, 3, 2, 1. On relâche et on remonte pour 4 secondes de contraction. Cherchez à bien serrer vos abdos. Donc, on décontracte et on refait notre crunch. 4, 3, 2, 1. En bas et on remonte et on contracte. Expirez. Inspirez en bas. Expirez et contractez. Enroulez votre dos et faites votre flexion. En bas, on inspire, on expire et on remonte et on contracte. Rentrez votre coccyx à l'intérieur. Maintenant, arrêtez de regarder l'écran et regardez face à vos mains et contractez. Chacun se concentre avec son muscle. L'exécution, la mécanique du mouvement est assez simple. Le rythme de respiration, c'est inspirer quand on pose le ventre, expirer quand on décolle le ventre. On rajoute encore 3 fois, Mariam. Ok. Et je te passe la main. Expire. Pardon. Inspirez en bas. 2 belles reps. Une belle dernière. Expirez le maximum et contractez. Très bien, je baisse un tout petit peu le sang, on se remet sur nos genoux et on respire. Mariam, tu veux enchaîner directement? Attends, je te suis, hein. Ah, je te suis, hein. Oui, oui, on regardez, hein, la preuve. La preuve que j'ai pas triché. Ma belle, sur le verre, si vous regardez la transpiration. Alors, il est parfait, donc ça. Même derrière. Ouais. Non, c'est génial. On a très, très bien travaillé. Bien, franchement, c'est génial. Parfait. Bonjour. Allez. Un bonjour aux enfants. On s'étire, coach. Très bien, on se pose. Oui, oui, oui. Allez, un tout petit peu, on va s'étirer. Hein? Attends, je pose mon téléphone au sol. Jambe droite et jambe gauche derrière. Gauche. On se retrouve. Un twist. C'est pour l'équipe. Bravo à tous. On profite pour vous féliciter. Après, on a la jambe qui est derrière. Pour moi, c'est voilà. La jambe. Donc, j'allonge. Et là, je viens descendre les coudes. Sur le côté. Voilà. Ensuite, j'allonge les bras. Là, j'allonge les bras. On pose un bras pour bien voilà. Garder un support. J'aime beaucoup les personnes qui ont des problèmes, le dos, surtout au niveau des lombaires, les hernies discales, lombaires. Donc, ça soulage beaucoup. Hein, l'exercice, il est bon pour vous. Là, je reviens. Bah, c'est parmi les exercices que j'adore, Mariam. Ah ouais, ouais. Déjà qu'il vient à la fin de la séance, c'est bon, ça veut dire qu'on a fini notre séance, la souffrance, enfin le bonheur et la souffrance en même temps. Et en même temps, j'aime bien ce mouvement pour étirer nos fessiers, comme pour la position de l'enfant, l'écrasement. Ouais. On redresse le dos, on pousse la poitrine devant, les bras tendus. Attends, je prends une capture. Attends, reste comme tu es. Yalla. Je redresse bien mon dos, je pousse la poitrine devant. C'est bon. Bien. Merci. Bien. Je passe. Et je descends aussi. Donc, écartez bien la jambe droite. Et bien sur le genou. Et je viens poser les coudes devant. Et je descends. Pareil, si j'arrive à allonger les bras, je le fais. Sinon, m'allège. On marche avec les mains. On essaie de marcher avec les mains sans décoller les fesses. Sans décoller les fesses du sol. Et je descends. Et je descends. Et je reviens tout doucement. Maintenant, sur l'autre côté, toujours même position des jambes. Et là, je vais aller prendre ou bien la cheville, si je peux, ou bien la pointe des pieds, si je peux aussi. Ou sinon, juste le mollet ou la maqdar touche, d'accord?
Donc, je prends moi la pointe du pied, je redresse. Moi, je prends mon genou et mon tibia. Regardez, je redresse. Ça. Ah, d'accord. Je redresse d'abord mon dos, on va d'un haus nahbat. Donc, le plus important, c'est que le dos soit tendu. Ou là, vous touchez le sol. Donc là, et tout doucement, je fléchis mes coudes. Je lève la tête, je redresse mon dos. Et je descends doucement. Doucement. Expirez pour détendre vos muscles. Au moment d'étirement, c'est là où j'expire. Et on revient. Voilà. Je change. Et la même chose. Donc, on change de côté. Là, je viens poser la main droite derrière. Je redresse mon dos. Un petit twist. Pivot. Et après, je vais allonger la jambe gauche. On allonge la jambe gauche. Toujours. Chef, là. Oui, chef. Je dis chef, oui, chef. On allonge la jambe gauche tout de suite. Super. Elle est bien allongée derrière. Elle est bien cachée derrière nous. Je pousse la poitrine devant. À l'expiration, je pousse toujours. Je tire sur le dos et je viens poser. Je viens poser les coudes devant. Et ensuite, j'allonge mes bras. Je descends. Je descends. Là, regardez, vous pouvez ouvrir un peu plus. Chauffe à la jambe. On ouvre l'angle un peu plus, l'angle de notre genou. Voilà. Et ça tire encore plus. Ça tire comme... plus, oui. Voilà. Je reviens. Je pose les mains de part et d'autre. Je redresse mon dos. Je tire encore une fois. Tirez aussi sur la jambe arrière. Et je reviens devant. Position. La jambe est tendue. Le hamlet, la jambe gauche. Et maintenant, là, je pose les mains d'abord. Ensuite, les coudes, si je peux. Et je descends tout doucement. Je vais marcher et j'allonge. Et ensuite, comme la, comment on appelle la dictée à la famille Adams, avec les doigts, la main qui marche avec, pour marcher et pour tirer un peu plus. La chose. Hein, c'est qui a été là. Avec vos mains, on va chercher le plus loin possible. Yac. Ça coûte. Le plus loin possible. Il y en a qui sont souples, elles vont pouvoir poser la poitrine au sol. Ok, les mères. Eh ben, on fait ce qu'on peut. Et je reviens. En tous les cas, la souplesse, c'est le travail. C'est la répétition qui vous permettra de gagner en souplesse. Je reviens maintenant sur le côté. Je prends la pointe du pied, ou bien la cheville, ou bien le mollet, ou je t'adore. Là, je reviens. C'est pour m'aider, en fait. Je m'accroche pour pouvoir tirer sur mon dos. Je lève la tête, je regarde devant. Et tout doucement, les coudes, si je peux. On peut sentir la différence quand on fait un dos rond, ça tire moins sur les essieux. Quand on fait un dos plat, ça tire plus. Donc, ce n'est pas la peine de descendre le plus bas possible. C'est juste de garder un dos bien droit. Comme vous avez, comme Marie m'a expliqué tout à l'heure. Donc, on garde le dos bien droit et on va sentir l'étirement. On fait un dos rond et on sent moins notre étirement. Et on revient. Ouf. Et on répète. Ah, tu veux nous faire le grand écart. Yallah. Ah, là, c'est ma position de récupération à la fin. Mais allez, j'en essaye aussi. On essaye. On va chercher soit nos genoux, soit on pose nos coudes. Ouais. On garde un dos bien droit. Ceux qui ne peuvent pas retourner leur pelvis, d'accord ? Ceux qui ne peuvent pas faire la rotation et ils se retrouvent assis avec un dos rond, ils vont mettre les mains derrière, d'accord ? Pour faire un appui et pousser leur poitrine devant, d'accord ? Ça va vous servir d'appui pour pouvoir rétroverser votre hanche. Ceux qui sont à l'aise assis comme ça, se mettent sur les coudes. Ou sinon, le challenge, c'est de toucher la tête au sol. Ou ouais, sinon, tenir les pointes. Avant, tu sais, j'arrivais à faire... Allez, mais après, parce que j'en fais plus oui. beaucoup. Donc, oui, et à par rapport aussi au renforcement, moi aussi, Mariam, j'étais gymnaste, j'étais gymnaste et je garde aussi mon esprit acrobate et parcouriste, ouais. Mais à force de faire beaucoup de crossfit et beaucoup de renforcement et de fitness, on fait des mouvements de mobilité, le yoga, on fait du yoga, du balance, du pilates,
et de la mobilité, des watts de mobilité, mais ce n'est pas une heure où on cible vraiment nos adducteurs et l'ouverture de nos hanches. C'est là où on gagne vraiment en souplesse. Ah, la docteur. Une heure dédiée à la souplesse. Ah là, moi, avant, j'arrivais à poser ma poitrine là par terre, mais là, j'arrive pas, tu vois. Ah, il y a Myriam, le front, tu peux toucher le front, je pense. Ah, il y a challenge. Il faut qu'on touche notre front. Le front. Plie un peu les coudes, plie les bras pour pouvoir toucher. Ah, il y a un épasta. Ouh là là. Ah, oui. Un épasta du bâti. Resserrez vos jambes, formez une boule. Ouais. Voilà. Parfait l'équipe. Hein. On a fini, Myriam. Merci beaucoup, Alessam. Merci à toi, merci à vous l'équipe, merci d'être présent. Merci à toute mon équipe s'ils sont en train de m'en regarder aussi. Et Merci à bravo vous. à tous. Écoute, ben, tu reviens quand tu veux. Moi, j'aimerais bien faire une séance, une séance par semaine, si tu peux, ou là, une séance stable, ou là, avec toi. Ce serait génial parce que vraiment, j'adore la séance avec toi. Allez, parfait, alors on en discutera, Inch'Allah. Voilà, quand Hein? tu me dis, Inch'Allah. D'accord? Parfait, parfait. Merci. Coucou à tout le monde, bisous à tout le monde, passez une très belle journée. Coach Lar aussi est là, un pote, mon pote à moi. Ah, ok. Alors, salut tout le monde. Merci. C'est pas grave, je suis dégoûtée. T'inquiète pas, on va l'enregistrer et tu vas regarder et tu vas faire après. Mais fais-le. Voilà. Merci, coach. Merci. Allez, ciao. Merci d'aller. À matin. Ciao, ciao. Bonne Bye. journée. Salut, Merci. salut.